La Coupe du monde de rugby 2023 n'aura pas la même saveur sans lui. Ce mardi 18 avril, c'est avec une grande tristesse que Mathieu Lartaud, le présentateur de Stade 2, a annoncé mettre sa carrière entre parenthèses. Le journaliste qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux se retire pour soigner une rechute de son cancer. Puisque de nos jours tout se sait, autant que ce soit moi qui l'annonce. Depuis 3 semaines, je savais que ce moment arriverait. Je suis contraint de m'éloigner de l'antenne pour remonter sur le ring et combattre le cancer une deuxième fois, 26 ans après. L'histoire bégaye, malheureusement. Il y avait 1 à 5% de risque que ça arrive. Et c'est arrivé. Ça va secouer très fort, mais je suis prêt et je suis bien entouré. À 43 ans, Mathieu Lartaud est confronté à la même maladie que celle qu'il avait eue pour la première fois à l'âge de 16 ans. Après une blessure lors d'un match de rugby, il avait découvert qu'il souffrait d'un cancer du genou dû à une tumeur à l'articulation. À l'époque, il avait dû subir une lourde opération. Son genou avait été retiré pour y installer une prothèse. Et il pensait que ce problème était derrière lui, jusqu'à cette terrible annonce il y a 3 semaines.